désignée comme étant de la nourriture ou un régime alimentaire jugé néfaste sur le plan diététique, la malbouffe augmente les risques d'une prise de poids en raison du caractère gras des aliments consommés, mais aussi le risque de maladies cardiovasculaires, d'hypertension, de diabète et même de certains cancers. La nourriture de rue est majoritairement appréciée des Gabonais, au point que cela impacterait les habitudes alimentaires. Entre les Nike, le poisson braisé, spaghetti viande, beignet à la banane ou encore bedoum, pain au poulet pour ne citer que cela, l'addiction au repas de rue suscite un engouement général de jour en jour. Ça a bon goût déjà. Les conditions, peut-être, les endroits où c'est placé, les conditions hygiéniques ne sont parfois pas propices. Alors, c'est très bon à manger. Ça dépend de l'environnement de chacun. Moi, je trouve qu'il y a rien de gênant à manger ici. Mais ce que je demande au minimum, c'est l'hygiène et la qualité de la nourriture. Tant que la nourriture est bien préparée, il n'y a pas trop de produits à l'intérieur, moi ça me va. Rappelons que la cuisson à haute température peut endommager les nutriments dans les aliments et créer des composés nocifs. Il revient donc aux autorités compétentes de se pencher sur cette question qui traite de la santé publique.